好，今天呢，我们要讲的这个课文的背景呢，是一位员工要离职了，然后呢，他的同事就商量说，我们要送他点什么好呢？就是这样的一个背景。好，我们先来看第一句话啊，Qu'est-ce qu'on lui offre？这是今天的题目，叫做我们送给他什么？好，第一句，Mais qu'est-ce que vous faites？Qu'est-ce que vous faites？你在干什么呢？这个 may 啊，大家注意，可不是表示但是哦，它只是一个发语词啊。看到别人在做事情，你说 may qu'est-ce que vous faites？说哎，你在干嘛呢？这是啊，他说 eh bien, on cherche unité de gâteau pour Colette，一个女人的名字。On cherche 说我们在找 unité 一个主意 de gâteau。就是一个关于怎么选礼物的主意，pour Galette，为了送给 Galette。On cherche unité de gâteau pour Galette。Mais pourquoi？哦，那是为什么呢？C'est son anniversaire。说是他的生日了吗？C'est son anniversaire。依然注意要连读的部分啊。OK，mais non，说不啊。Elle quitte l'agence cette semaine。OK，git、okay, 还记得吗？表示离开的意思哦。L'agence 就是一个机构，对不对？就是我们的这个机构哦。Cette semaine 这个周，这周他就要离开我们了。Elle quitte l'agence cette semaine. Elle part à la retraite. À la retraite 这个短语我们在词汇里面已经见过了，叫做退休了。那么 part 表示 partir，也就是要出发的意思。你这里就是要离职。走了，要退休，走了。OK，好，来跟我们老师一起把这一个小片段呢，一起再确定一下发音。好，第一句，Mais qu'est-ce que vous faites？Mais qu'est-ce que vous faites？Eh bien, on cherche unité de gâteau pour Colette. Mais pourquoi？C'est son anniversaire，是她的生日哦。Mais non，elle quitte l'agence cette semaine。Elle quitte l'agence cette semaine. Elle part à la retraite. Elle part à la retraite. Ah oui, c'est vrai. OK, 说 mais oui, c'est vrai. OK, 这个人真的很喜欢说 mais 啊，说啊，哦，是这样的，是真的哦，哦，想起来了，是真的。OK, et alors, 说那么 on lui offre un gâteau pour son départ. 说对呀，所以呢，我们要送给他。OK, 建斌。Un gâteau pour son départ，我们要送他一个礼物。Offre son un gâteau 礼物，为了什么呢？为了他的离开。Départ 也就是 partir 的同根名词，出发、离开。好，下一句，Oui, mais on ne sait pas quoi acheter。说是的，但是呢，on ne sait pas quoi acheter。quoi 就是什么东西，说我们不知道要买什么东西。On ne sait pas quoi acheter。OK。Tu la connais bien，说你了解他呀。OK，la connais 直宾前置，说你很了解他，代词提到动词的前面去。Toi Colette，说你对 Colette 了解得很深呐、啊。Quel sont ses goûts？他喜欢什么呢？Quel sont ses goûts？OK，goût 表示兴趣啊、爱好啊。Quel 呢，就是作为一个疑问词啊，他的兴趣爱好有哪些呢？Qu'est-ce qu'elle aime？哦，你问的是他喜欢什么？Qu'est-ce que 问什么就用 Qu'est-ce que 来发问。Je ne sais pas 说我不知道，moi。Offre lui des fleurs 说你就送给他，这是一个命令式当中的一个建宾的应用哈。Offre lui des fleurs 送他花儿吧。Ou 或者这个 ou 表示或者。Pourquoi pas un CD de Pavarotti？说为什么不来一个 City 的 Pavarotti？你能够猜到是什么吧？Pavarotti，帕瓦罗蒂。OK，l'adore，他特别的喜欢他。OK，这里呢又是今天学的直宾代词的前置，喜欢他，他放到动词喜欢的前面去啊。好，就是这样一小篇，语法呢其实不是特别复杂，但关键还是要多听多读，培养自己的语感。好，我们一起来。Ah, mais oui, c'est vrai。Alors, on lui offre un gâteau pour son départ. Oui, mais on ne sait pas quoi acheter. Tu la connais bien, toi, Colette. Quels sont ses goûts? Qu'est-ce qu'elle aime?
Je ne sais pas moi. Offre-lui des fleurs. Ou pourquoi pas un CT de Pavarotti. Elle l'adore. OK. 好，我们来看最后一小段。Ce n'est pas très original. 说你这个主意啊，不是特别的新颖啊，叫做 original. 那这里要注意连读啊。Très original. Ce n'est pas très original. Bon, alors, je... Oh, maman, vous pouvez lui offrir un livre d'art sur la photo ou sur la peinture. OK, 说那你可以你们可以送给他 ，OK， 驴送给他签名前置 ，un livre d'art 一本艺术的书籍 ，sur 这里就是关于什么呢 ？la photo 照片摄影 ，ou sur la peinture 或者是绘画。Ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. 说哦，你看，这真是一个好主意。那这些都是口语当中的词，大家读课文的时候不要因为它是一个语气词，所以不要读它。读出来它有助于给你一个场景感，你到了这个场景下，自然而然就会用这个句子，所以要说要说啊。Oui, tiens, ça c'est une bonne idée. 说这是一个非常好的主意。C'est une bonne idée. Ah, mais non, le directeur lui achète un livre. 说哦不。所以我们的老板呢 ，lui achète un livre， 已经买了一本书给他了，是不是？给他买一本书。啊 ，écoutez， 说听着。Bon， je suis désolé， mais je n'ai pas d'autre idée。说不好意思哦，对不起 ，je suis désolé， I'm sorry， mais je n'ai pas d'autre idée， 但是我没有其他的主意了。OK， 这个位置叫做 d'autre 表示其他的。OK， 其他的哦，主意叫做 idée， 对不对？好，我没有其他主意了。OK， 来最后一小段，我们把语气词加上，大家一起来啊，读的要有一个场景感，要有感情在里面哦。好 ，Ce n'est pas très original. Bon, alors, vous pouvez lui offrir un livre d'art sur la photo ou sur la peinture. Ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Ça c'est d'une bonne idée.Mais non, le directeur lui achète un livre. Ah, écoutez, bon, je suis désolée, mais je n'ai pas d'autre idée. Voilà, OK. 好，在刚才的讲解当中呢，文文老师把相应的我们讲的重点的直宾代词和间宾代词的前置呢，已经标记了出来。大家反复看录像，然后呢，同时要多练这个朗读，因为法语呢就是一个听觉的语言，听起来非常的好听，所以呢，你一定要多读。能够进行模仿的输出，这样子你的法语就会越来越好了。OK， 加油 ，Bon courage！ 那我们下一次课再见喽 ，À la prochaine！